Et voilà, c'est fait, magnifique. Il y a quelques jours, on est venu me donner un coup de main. Un immense merci à Laure, Bertrand et les autres qui sont venus m'aider à monter la bâche sur la serre. C'est vraiment pas évident. On était 6 au final et c'était pas trop. Et voilà, maintenant tout est monté. J'ai en plus pu mettre les portes. Et vous voyez là ce qu'ils pensent, c'est simplement la jupe qui servira de gouttière, donc comme c'était prévu, hein, pincé dans les clips. Et après on va faire remonter l'autre partie comme ça sur toute la longueur. Ça va permettre de récupérer l'eau qui tombera sur la serre. Et là les derniers jours j'aurais pu remplir toute la cuve sans problème. Donc ça va vraiment être au top. Une porte simplement qui s'enroule devant, la façon la plus simple et la moins chère. Et dedans, voilà, il fait tout de suite bon là, c'est magnifique. Si on a besoin d'un peu de chaleur, on va dans la serre. Il fait tout de suite 20 degrés, 25, bien vite 5 degrés de plus qu'à l'extérieur, dès qu'il y a un peu de lumière. Et surtout, il n'y a plus de vent, donc c'est super agréable. Et là, j'ai pu commencer à déjà mettre 2-3 plants de tomates sur mes planches de culture, et puis des courgettes, des concombres, j'ai semé des maïs et des haricots aussi, on verra ce que ça donne. Et l'autre moitié de la serre, cette partie là, donc sera réservée dès que j'aurai reçu le bois pour commencer à monter et couper les poutres et monter les pans de mur de la tiny house. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Et avec un peu de chance de ce côté-là, dans quelques temps, j'aurai des belles tomates et plein d'autres choses. Encore un grand merci à toute l'équipe qui est venue me filer un coup de main.